Coucou Tcha! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc on va dire que cette vidéo là est la partie 1 étant donné que j'ai eu 2 dolls donc dans ce colis. Et donc la deuxième partie en question sera postée un petit peu plus tard. Donc en soi les deux vidéos peuvent être regardées séparément et peu importe l'ordre. Mais c'est pour ça que vous allez voir donc 2 dolls à un moment alors qu'en fait l'unboxing de cette vidéo ne concerne qu'une seule. Il s'agit d'une petite paradoll donc, que j'ai achetée sur Parabox. Donc j'ai reçu le colis en à peu près une bonne semaine. Donc bien évidemment vu que ça passe par Chronopost j'ai eu des douanes mais le colis était en très bon état. Donc avec cette doll là j'ai pris une wig rose, donc j'ai pris une demi taille au dessus étant donné que pour mon autre petite paradoll c'était un petit peu trop serré, je me suis dit que ça serait mieux de prendre une demi taille au dessus. Voilà, elle est magnifique cette wig, je suis trop contente, franchement elle est aussi belle que la photo. Et du coup on passe à l'autre petite. Cette fois-ci ça m'a étonnée, c'est pas du tout emballé comme ma première. Elles sont vraiment bien mieux emballées en fait, du coup j'étais assez contente. Donc, comme d'habitude elle vient avec des jeux de mains et un petit mot pour nous expliquer comment mettre les mains, etc. Donc voilà la petite, toujours bien emballée, elle est super mimi. Donc elle est bienvenue avec les yeux que j'avais demandé, c'est-à-dire que le full set comprend donc des eyes et moi j'avais demandé de changer de couleur et ils l'ont fait, donc je suis assez contente. Après pour la wig, cette fois-ci elle était un poil trop grande, donc c'est pas non plus dramatique, j'ai mis de la pâte à fixe et ça tient super bien. Voilà, moi je suis super contente, je la trouve magnifique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette petite doll. Donc voilà, donc elle se nomme Emiko. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous appréciez ce genre de petite doll. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt. Bye!